Sur le premier round. Alors je pense qu'on va rajouter quelques secondes dû à l'arrêt qui n'a pas été absolument stoppé au niveau du chrono. On a bien dû perdre 7 ou 8 secondes à mon avis. Il me semble, oui, il me semble. Maintenant voilà, c'est moi ton quotidien. J'espère que tu as accepté le défi que je te donne aujourd'hui. Je fais des bons bijoux, moi. J'espère que le public attend ça. En fait, je vous explique ce qui se passe, parce que vous allez voir après l'image. Mais au moment où il se met sur moi et qu'il commence à envoyer, juste avant, il m'a mis deux doigts dans l'œil. Nous, on a fait les règles avec l'arbitre juste avant, et doigts dans l'œil, c'est pénalité. Donc normalement, soit il nous sépare et il nous remet comme la première pénalité. Vous savez, quand tu as trois appuis au sol, quand il te met un coup de pied, c'est interdit. C'est pour ça qu'ils nous ont séparé la première fois. Et que voilà. Et en fait, vous allez le voir après à l'image, si vous regardez bien, il me met le doigt dans l'œil et il l'enfonce. Et moi, au deuxième fois où il enfonce dans l'œil, je dis à l'arbitre, en gros, vous allez voir, je dis à l'arbitre, il me met le doigt dans l'œil. Et l'arbitre, il a arrêté le combat. Donc là, on va faire réclamation et voir comment ça se passe, parce que c'est interdit, il y avait pénalité. Et comme c'est la deuxième pénalité qu'il avait sur le deuxième round, parce que le premier round. Et la deuxième pénalité, bah normalement, vu que c'était un peu 50-50 sur le round, soit il nous séparait, soit c'était terminé. Donc on va voir comment ça va se passer. C'était un très beau combat. Je ne me trouve pas d'excuses, mais... Moi, j'ai pris le doigt dans l'œil. Vous allez voir à l'image, je dis. Là, je vous ai mis la vidéo. Regardez bien. Il me met le doigt dans l'œil et moi, je regarde l'arbitre et je fais frère. Parce que c'était la deuxième fois qu'il me mettait. Et c'est après pour ça qu'il a arrêté le combat. Donc, on va voir comment ça se passe.